Bonjour à tous les enfants. Aujourd'hui, encore une petite nouvelle histoire. Trois petits moutons. Vous êtes prêts, bien installés, par terre, sur le lit, dans un fauteuil, dehors, dans la balançoire. Où que vous soyez, bien installés. On y va. Trois petits moutons. Alors, c'est l'histoire de trois petits moutons, bouclés comme des tourbillons. L'un est roux comme un potiron, le deuxième blanc comme le coton et le troisième noir comme le charbon. Toute la journée, tous les trois chantent sur ce ton. Promenons-nous dans les prés où le loup ne vient jamais. Un jour, les trois petits moutons quittent leur troupeau et sautent l'enclos. De l'autre côté de la clôture, attention, c'est l'aventure. La forêt du loup a la dent dure. Pauvre agneau, que va-t-il leur arriver? Pas du tout inquiets, les trois petits moutons chantent à pleine voix. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Soudain, derrière les trois petits moutons, une grosse voix reprend la chanson. « Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. » Un drôle de mouton suit les trois amis en chantant lui aussi. C'est un mouton étonnant, ni roux, ni noir, ni blanc. Un mouton gris-souris avec deux grandes dents. Bé, bonjour, dirent les trois petits moutons tout contents. Houhou, coucou, répondit le mouton gris. Ça alors, c'est un mouton qui ne sait pas bêler. Les trois petits moutons rient et en pleurent à chaudes larmes bien salées. Et c'est le moment que choisit le mouton gris pour les piéger dans un filet à provisions. Des moutons aux larmes salées, miam miam miam, je vais me régaler. Les trois petits cochons m'ont bien eu, mais parole de loup, je ne me ferai pas avoir avec cette histoire et je croquerai ces trois lascars. Les trois petits moutons, pelotonnés dans le filet, ont compris. Le grand gentil mouton gris est en vérité le grand méchant loup de la forêt. Ils doivent trouver comment lui échapper. Sitôt arrivés à la maison du loup, les trois petits moutons sont enfermés dans le garde-manger. Pendant que le loup s'agite au fourneau, les trois prisonniers parlent tout haut. Le mouton roux dit « Burk, la laine, c'est dégoûtant !» Le mouton blanc dit « Si le loup veut nous manger, il doit nous tondre avant !» Et le mouton noir dit « Avec nos laines, avant d'être dévorés, nous pourrions lui tricoter un joli manteau rayé !» Trois petits moutons de chanter à l'unisson. Tricot, tricoton, un manteau rayé, noir, roux et blanc. Tricot, tricoton, un manteau élégant. Quelle bonne idée, se dit le loup. Un repas bien gras et un manteau bien chaud. Voilà ce qu'il me faut. Armé de grands ciseaux, le loup entre dans le garde-manger. Étant un à un les trois petits moutons. Puis il leur crie en refermant la porte derrière lui. « Eh bien, tricotez maintenant !» Dans le garde-manger, les trois petits moutons tondus
devenus roses comme les trois petits cochons, tricotent en chantant leur chanson. Tricot, tricoton, un manteau rayé, noir, roux et blanc. Tricot, tricoton, un manteau élégant. La soupe aux oignons bouillonne dans le chaudron. Miam, 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 miam. Bientôt, le loup va plonger les trois petits moutons dans ce succulent bouillon. Déjà, les prisonniers appellent le cuisinier. Si monsieur le loup veut bien se donner la peine d'essayer son manteau rayé. Sans se méfier, le loup entre dans le garde-manger et se glisse dans son manteau. Mais nom d'un gigot! Ce manteau n'a pas de manches pour bouger, s'écrie le loup piégé. Non, mais il a une grande ceinture pour mieux vous attacher, lui répond l'un des agneaux. Et hop, voilà le grand méchant loup ceinturé, emberlificoté dans son beau manteau tricoté. Clic, clac, les trois petits moutons l'enferment dans le garde-manger et s'en vont sans se retourner. Sitôt dans la forêt, les trois petits héros croisent leur troupeau parti les chercher. Trop contente de les retrouver, leur maman ne pense même pas à les gronder. S'en retournant vers le pré, le troupeau tout entier chante à l'unisson derrière les trois petits moutons roses comme cochons, tout nus sans leur toison. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Promenons-nous dans les prés, le loup est enfermé. C'est fini, c'était la dernière page avec le beau pull rayé du loup. Et bien voilà, c'est fini. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour une nouvelle histoire.